Voilà, juste une dernière chose, c'est que j'ai galéré pour fixer les plaques, parce qu'en fait, pour accéder à l'écrou de l'extérieur, ça va, hein, le bouton là, voilà, la vis bouton, puis tenir le bouton de l'autre côté, pour les extérieurs, ça va. Si on commence par celui de gauche, on arrive facilement à mettre celui qui est au bout et celui d'après, celui-ci, mais ensuite, lui, d'accord? Ou celui d'après là, lui. Parce que lui, on y arrive en passant par là. On n'a pas encore mis cette plaque. Là, pareil, on arrive bien à mettre lui. Mais celui-ci, voilà, c'est la galère. Parce que j'ai pas voulu les soulever. Et puis passer par ce trou de souris là, moi, je passe pas ma main. Hein. J'y arrive pas pour passer derrière pour tenir le bouton. Ouais, c'est trop loin. Donc voilà, c'est le seul truc un peu pénible, je trouve. Sinon, voilà, il est fixé. J'ai plus qu'à faire la phase finale. D'activation de la beambox. Voilà. J'ai bien pris soin de la visser avec les connexions en bas, les prises qui partent en bas. Voilà, pour une meilleure étanchéité.